Bonsoir à tous. Attendez, je vais me mettre en tailleur sur ma chaise parce que c'est comme ça que je me sens le mieux. Donc je disais bonsoir à tous, bienvenue dans cet épisode numéro je ne sais pas combien de mon podcast créatif. Vous êtes sur la chaîne La Muse de Minuit, je m'appelle Alice. J'ai choisi ce nom de chaîne YouTube, pas parce que je me prends pour une muse qui inspire qui que ce soit, mais parce que personnellement, je souffre d'insomnie et généralement je trouve du temps pour moi en tant que maman de trois enfants qui travaillent tard le soir ou dans la nuit. Vous pouvez me trouver sous le même pseudonyme, soit ici, soit sur Ravelry, soit sur Instagram. Et ici, je vous partage mes petites aventures créatives en tricot et en couture principalement. Et je me suis mise au filage très récemment. D'ailleurs, vous pouvez voir mon rouet juste là. On est mardi 26 septembre. Il est 17h30. J'ai fini ma journée de télétravail, ce qui me permet de tourner un peu plus tôt. Mais du coup la lumière est descendante, la fenêtre est là, vous allez voir que la lumière va changer en cours d'épisode et donc comme je tourne avec mon téléphone qui n'est pas d'une qualité exceptionnelle, la lumière va beaucoup changer donc je risque parfois d'être toute noire, d'autres fois d'être surexposée, je m'en excuse d'avance. Je suis presque en train de sortir d'un rhume qui m'a bien mise KO quand même, et donc ça explique un peu la tête de déterré. Bon, plus le fait que j'ai fait une journée de télétravail, je vais vous avouer, je ne me suis pas spécialement pomponnée. J'ai pris ma douche avant d'aller chercher mes enfants à l'école, d'où les cheveux mouillés, qui vont sécher au cours de cet épisode. Enfin voilà, vous m'avez 200% naturel, et c'est très bien comme ça. Du coup, aujourd'hui on va parler couture et tricot. Je vais commencer par le tricot, comme ça ceux qui n'aiment pas la partie couture pourront la squeezer en cours de route. Alors, niveau tricot, j'ai deux objets terminés, deux objets en cours et trois futurs projets à vous présenter. Donc, les deux projets terminés, bah, c'est simple, c'est des projets qui étaient en cours la dernière fois. Et donc, pour certains, vous avez pas mal entendu parler. Le premier, c'est un test qui est sorti depuis, hein, puisque voilà, c'est un pull, mais moi j'en ai fait une version très estivale, c'est le Fleurine Sweater. Alors, la couleur, là c'est pas trop mal, même si on n'y est pas encore. La couleur est très difficile à rendre à l'écran. J'ai vu Emma de Tricolibri qui explique qu'elle essaie de toujours montrer ses lèvres quand elle filme, parce que pour les personnes malentendantes, c'était bien de pouvoir lire sur les lèvres. Du coup, moi, j'ai pas du tout cet automatisme-là. Je vais essayer. Donc, je vous dis tout avant de vous montrer le projet. Il s'agit du Fleurine Sweater de Valentina Bogdanova. C'est un patron que j'ai testé, auquel je me suis inscrite un peu à la dernière minute. Je l'ai réalisé en Holstein Coast, c'est-à-dire quasiment 50-50 coton Hélène. C'est pas tout à fait ça. Je vous remets les infos sur l'écran de toute manière. Et il m'a fallu uniquement 100 grammes, soit deux pelotes pour faire tout ce projet. C'est un vert, moi j'appelle ça un vert amande, mais il est très difficile à filmer, donc vous n'aurez pas la bonne couleur à l'écran. Et bah, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très clair. Il y a eu assez peu de corrections à amener au patron qui nous était proposé pour le test. Et il y a eu plein de versions dans le test. N'hésitez pas à aller voir sur Ravelry, c'est très intéressant parce qu'il y a eu des versions crop, des versions pas crop, des manches longues, des manches courtes, des manches trois quarts. Il y a vraiment eu de tout. Donc voilà ma version. Donc, comme vous pouvez voir, un très beau yoke en dentelle qui dessine également les manches. Il y a un détail sur les manches, hein, un détail, enfin sur les côtes en fait, même en bas du corps. Très très beau patron, bien expliqué. Et une fois qu'on a passé le yoke en dentelle, on n'est plus que en jersey en rond et du coup ça devient très facile. La dentelle est expliquée. Vous entendez mon fils éternuer derrière, il est enrhumé aussi et du coup j'ai dû aller le chercher à l'école en cours de route aujourd'hui. Il est en train de regarder un dessin animé, mais le pauvre tousse et éternue, d'où les bruits de fond que vous entendez éventuellement. Il n'est pas en train d'agoniser, je ne l'ai pas abandonné, il a eu tout ce qu'il lui fallait, mais là je ne peux pas faire grand chose de plus, donc voilà. Je disais, dentelle expliquée au rang parent et en diagramme. Rang parent et diagramme pour la dentelle, je vous montre ma bouche. Ce n'est pas un modèle débutant, pas du tout. On commence par le haut. On fait un montage souple ici. Vous voyez qu'il y a ce petit motif de vague là,
qui n'est pas très dessinée sur ma version, je pense que c'est dû au coton. Parce que celles qui l'ont fait en pure laine ou en matière purement animale, c'est beaucoup plus dessiné. Moi, il a fallu que je l'épingle de manière assez agressive au blocage. Et pourtant, c'est pas aussi prononcé que les autres. Voilà. Donc, je disais pas un modèle de débutant quand même. Et puis, en plus, c'est uniquement en anglais. Donc, il faut pouvoir le. Faut savoir tricoter en anglais et il y a certains points qui sont pas communs, on va dire, sur la dentelle. Malgré tout, c'est un projet que j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le porter aussi. Il est hyper agréable. Il a un côté habillé très sympa qui va bien sur soit au-dessus d'une robe, soit comme enfin pas avec un jean taille haute ou une jupe taille haute, ça va super bien. Enfin, moi, vraiment, je le trouve à la fois hyper joli. Le fait que ce soit coton et laine, ça donne une texture un peu sèche qui fait pas trop habillé, ce qui fait que je peux le porter au travail, ce genre de choses. Avec toutefois un débardeur en dessous, parce que le yoke en dentelle me descend jusqu'en dessous de la poitrine, et que donc je suis pas vraiment à l'aise de montrer mon soutien-gorge au travail. Voilà. Donc, ça, c'était mon premier projet terminé. Le Fleurine Sweater de Valentina Bogdanova. Moi, j'ai fait une version très estivale. Vous allez voir que mon autre projet a un côté très estival et printanier aussi. Donc, je ne suis pas trop de saison sur mes projets terminés. Mais comme pour le précédent, en fait, je suis complètement décalée en ce moment sur ce que je vous présente. Vous verrez que sur mes projets en cours, je suis beaucoup plus de saison. Donc, ça, c'est le premier projet terminé. Qu'est-ce que je vais vous dire aussi? Oui, sur les manches, du coup, moi, j'ai juste repris ce que j'avais mis en attente. J'ai fait deux ou trois rangs, je crois, mais vraiment pas grand-chose. Je ne sais pas si vous allez le voir d'ailleurs, mais après la dentelle ici, là, après la dentelle, j'ai fait deux, trois rangs et hop, je suis allée directement sur les côtes pour lesquelles il y a un diagramme aussi pour faire cette petite fantaisie-là. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce projet, je crois. Là, comme ça, je ne saurais plus vous redire de tête, mais il me semble que la gamme de taille est assez inclusive et que du coup, il y en a pour tous les goûts. Voilà, ça c'est le premier projet terminé. Le deuxième projet terminé, on est également sur de la dentelle. C'est celui que j'avais mis en stand-by pour pouvoir faire le Fleurine Sweater, qui était un test et qu'il fallait que je termine relativement rapidement. C'est le. Alors attendez, je vais fermer les boutons pour mieux vous le montrer. Hop! Hop, je ferme les deux premiers boutons. Il s'agit du Posy Cardigan. De Marzena Kolacek. Alors, voici la très belle épaule tout en dentelle. Épaule tombante, hein, tout en dentelle. Et on retrouve la dentelle au bas du corps, ici. Alors, ce modèle, il est cropped. Et un peu boxy. Il est présenté en manche trois quarts. Moi, je l'ai fait en manche courte. Il existe dans le même patron en version pull, en version gilet non boutonné et en version gilet boutonné. Comme vous pouvez voir, j'ai fait la version boutonnée. Voilà. Les explications de la dentelle, que ce soit ici ou sur le bas du corps, existent en diagramme ou en explication au rang par rang. Donc il y en a pour tous les goûts. Et c'est une construction que je n'avais jamais faite encore, qui est que, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Le montage de base, il est dans le dos, sur la bande de boutonnage, ici, là. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir fait un montage provisoire pour pouvoir reprendre et repartir dans l'autre sens. Du coup, j'ai dû relever des mailles. Ça se voit à l'intérieur. Mais bon, ça fait propre quand même sur le projet terminé. On fait une bande dans un sens, une bande dans l'autre. Sur chaque bande, à ce niveau-là, alors ça c'est le côté où j'ai pas bien géré quand j'ai rejoint les deux. Je vous explique après, mais à ce niveau, faut que je le retrouve. À ce niveau ici, ça reste discret, hein, c'est le côté que j'ai le moins bien géré. On descend en faisant une dentelle, on fait le début du panneau, jusqu'à arriver ici, en fait, qui est l'endroit où on va rejoindre avec le dos. Pareil de l'autre côté. Hop, et là, ça se voit moins, mais c'est à ce niveau-là que, en fait, j'ai dû relever des mailles. On tricote donc les deux devant, et ensuite, on vient relever des mailles derrière, tout le long
de la bande d'encolure et de boutonnage ici et le long des côtés devant. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a deux motifs de dentelle du coup qui se rejoignent. Et la designer nous dit bien de faire attention à bien aligner les motifs et tout. J'ai eu la flemme de reprendre les diagrammes. Du coup, par chance, ce côté-là, les motifs se sont alignés parfaitement. Et ça se voit à ce niveau-là. Vous voyez, ça se continue comme si c'était le même truc. Alors qu'en fait, ça, je disais, ça se continue comme si c'était le même diagramme. Alors qu'en fait, j'ai relevé des mailles en plein milieu. Tandis que de l'autre côté, si je vous montre le même endroit, vous remarquerez qu'il y a un décalage entre cette partie-là et cette partie-là. Mais soyons honnêtes, qui à part moi et vous maintenant le saura et qui va aller mettre le nez sur mon épaule pour me dire tes diagrammes de dentelle là, tu les as pas très bien rejoints quand tu as relevé tes mailles. Je pense que la plupart des gens ne verront pas du tout ça. Donc voilà, j'ai totalement laissé tomber cette histoire et voilà. Je suis très contente de ce patron qui, ma foi, est très clair. Pour les manches, j'ai relevé des mailles du coup tout autour. J'ai fait quelques rangs, je crois qu'il y a une quinzaine ou vingtaine de rangs avant les côtes. J'aurais pu en faire plus, il me restait très peu de laine, j'avais peur d'en manquer. Du coup, j'ai fait ma première manche très courte. Et puis quand j'ai fini la deuxième manche, et bah, je ne vais pas vous mentir, j'avais la flemme de rallonger mes deux manches. Donc j'ai laissé comme ça. Ça fait des manches ajustées mais pas serrées, elles sont pile bien, avec un corps très boxy. Au niveau des boutons, j'ai mis des petits boutons qui sont, je crois que ce sont des boutons Atelier Brunette. Coloris Peach, quelque chose comme ça. Ils sont, moi je les aime beaucoup, des petits boutons type bottine comme ça. Petits boutons de bottine type, ouais, type bottine. Je crois que c'est Atelier Brunette, je vous confirme ça en barre de description. Et pour ce qui est de la laine, ça tombe bien, j'ai un écheveau ici pour un autre projet après. J'avais acheté trois écheveaux à l'origine, pas cet été mais l'été d'avant, au marché des artisans d'Erquy, chez Laine de Mout du coup. Et c'est de la Moutsock, donc base à chaussettes, 85% mérino superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes, donc pur fingering, coloris Miss L'Oréal, ce très beau rose. Avec des nuances corail et un peu caramel parfois. Donc je l'aime beaucoup et je n'ai utilisé du coup que deux écheveaux. Il me reste 10 grammes je crois de mon deuxième écheveau. Plus un écheveau plein du coup que je vais utiliser dans un autre projet que je vous présente après. Donc voilà mon deuxième projet terminé. Très beau gilet qui se porte très bien sur des robes. Et qui est fait pour aller avec une robe que j'ai cousue et que je vous ai déjà montrée, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais qui se porte aussi très bien avec d'autres vêtements. Pardon. Voilà pour mes projets terminés. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Pour mes projets en cours. J'en ai deux. Je vais vous montrer celui qui, on va pas se mentir, ne ressemble à rien pour le moment. Mais que je vais apprécier quand la météo sera de saison, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait plus trop quoi penser là. Je suis en train de me faire, après les avoir vus, je crois, sur le podcast de Lisandre Urbain, les Hearthside Slippers. Donc Hearth, c'est le foyer, mais dans le sens le foyer pour le feu, d'accord? Donc ça, c'est les chaussons du coin du feu, en fait. Et je pense, je suis pas sûre, mais vous voyez, il y a trois diagrammes de jacquard, je crois que je vais faire celui-ci, mais je suis pas certaine. Je les ai commencés, mais en fait, là j'ai fini une semelle pour le chausson droit, je crois. Et j'ai commencé, parce que je voulais faire les deux d'un coup, la deuxième semelle ici. Donc les semelles, on les fait, comme vous voyez, à plat, on a les retours, en double knitting, donc en... C'est pas vraiment du jersey double, mais tricot double, on va dire. Et après, on vient relever des mailles tout autour. À la fin, on laisse juste en attente. Là, c'est le talon. Vous voyez, on voit bien la forme du pied. Devant est là, le talon est là. On a des mailles en attente ici. Et on vient relever des mailles tout autour de la semelle pour monter comme ça le chausson. Donc moi, je voulais faire les deux semelles avant de lancer le haut du chausson. Niveau laine, j'ai trois pelotes de coloris différents. Alors évidemment, la marron a beaucoup plus descendu que les autres, hein, parce que bah, c'est celle que j'ai utilisée.
C'est de la Erika Knight et c'est de la qualité. Attendez. Je vais reprendre l'étiquette au milieu de la pelote, voilà. Erika Knight Big Vintage, 100% laine. Alors, cette couleur-là, le rouge, c'est le 316. Attendez, parce que j'essaye de ne pas perdre mes étiquettes, je les remets au milieu de mes pelotes. Le marron, c'est la 311. Marron chocolat au lait, comme ça. Hop, ça je peux ranger. Et le beige, c'est la 300, celle-ci. Je tricote en aiguille de 3,5, ce qui fait que je suis largement en dessous de ce qui est recommandé, puisque la designer recommande des aiguilles de 4 mm, normalement. Voilà. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit pour mes autres projets. Alors, j'ai une tension très lâche, vous le savez si vous me suivez. Celui-ci, du coup, j'ai dû descendre, c'était recommandé du 3 et moi j'étais en 2,25. Et j'ai pris du 2 pour toutes les côtes et le montage. Voilà, donc ça m'a pris 120 ans quand même. Hein. J'ai aimé le faire, mais j'étais contente de ne pas avoir assez de laine pour faire des manches longues parce que je crois que. Voilà. Et alors, celle-ci, paradoxalement, celui-ci. J'avais fait un échantillon avec la laine et pour une fois, j'avais le bon échantillon recommandé par le patron. Donc, est-ce que c'est par rapport à la designer qui a une tension très lâche ou pas? Mais du coup, au lieu d'être en 2,5, 2,25 comme je fais d'habitude quand je suis sur de la fingering, j'étais sur du 3 ou 3,5, je sais plus. Faudra regarder sur ma fiche Ravelry, je l'ai mis. Attendez, je mange de la laine. Mais en tout cas, j'étais pas en dessous du 3, ça c'est sûr. Je crois même que j'étais en 3,5. Avec du 3 pour la bande de... Bah non, parce que la bande d'encolure, elle est faite en même temps. Non, non, je crois que j'étais en 3 pour tout le... 3 ou 3,5 pour tout le gilet. Bref, donc, je suis sur ces chaussons qui, ma foi, alors, ne sont qu'en anglais aussi, mais ne présentent pas de difficultés majeures jusqu'à maintenant. Par contre, du coup, bah, c'est du jacquard, hein. C'est du jacquard, donc il va falloir... Il faut savoir faire du jacquard pour faire ça. Surtout qu'il y a plusieurs couleurs, mais enfin il y a trois couleurs, mais il n'y a jamais plus de deux couleurs par rang. Donc c'est pas un jacquard extrêmement compliqué. Je n'ai pas regardé. Je vais pas vous les montrer, mais j'ai pas regardé les diagrammes. Les diagrammes sont très clairs, ils sont pas très grands. Ils font 12 mailles de large. Et le plus petit fait 24 rangs. Le plus grand, celui que je veux faire avec les flocons, fait 26 rangs. Donc, c'est pas fou en termes de taille de diagramme à réaliser. Surtout que c'est sur une petite circonférence, donc je ne sais pas combien il y a de répétitions, mais il ne doit pas y en avoir 15, quoi. Donc voilà, ça c'est mon premier projet. C'est celui que j'emmène au travail, parce que, en fait, comme c'est des grosses, enfin c'est des relativement grosses aiguilles, et c'est de la grosse laine, ça va vite. Et en plus, pour le moment, comme j'ai que... La semelle à faire, c'est facile à transporter parce que j'ai qu'une seule pelote. Deuxième projet en cours, et celui-là, on n'est pas du tout sur le même type de projet, vous allez voir. C'est un projet que j'avais mis sur mon Make 9. Parce que, en fait, les projets de mon Make 9, c'était des choses que je savais que j'allais porter. Et comme je n'ai pas avancé autant que je le voudrais, je me suis forcée un peu à les mettre sur mes aiguilles. Et à les faire passer un peu devant. Alors, il a bien avancé. Je le fais avec de la Arco Iris Yarn base Dr. Wool coloris sombral. Vous le voyez très bleu. Il a plus de nuances violettes en vrai. Donc, Dr. Wool, c'est 100% Merino Superwash. Coloris sombral de la collection Harry Potter. Si vous connaissez Arco Iris Yarn, voilà. Et avec celle-ci qui est de la... Chopple Wool, je crois. C'est de la laine non teinte que j'ai achetée sur Laine et Tricot. J'avais un autre projet totalement autre. J'avais acheté deux échevaux de 100 grammes chacun. J'ai laissé tomber l'autre projet. Et j'ai lancé celui-ci. Voici l'échantillon que j'ai fait. Alors là, vous ne le voyez pas, mais
J'ai bloqué cet échantillon, j'ai fait un échantillon et je l'ai bloqué. Et bien sûr, en fait, le but de l'échantillon, moi qui en fais rarement, vous le savez si vous êtes habitué, là, je voulais voir comment la sombrale là, réagissait au blocage, si elle dégorgeait beaucoup de couleurs ou pas. Le but était de ne pas laisser mon échantillon trop longtemps dans l'eau, justement pour éviter que ma laine non teinte ne prenne les coloris du sombrale. La vie étant ce qu'elle est, mes enfants m'ont distraite, j'ai complètement oublié mon échantillon dans son bol d'eau, il y a passé toute la nuit. Et là, ça ne se voit pas très bien. Est-ce que si je fais ça, si là, vous le voyez quand même, que clairement, le sombral, ça dégorge. Hein. Donc là, j'avais fait un blocage en conditions extrêmes, c'est-à-dire sans vinaigre, sans lingette, pour absorber les couleurs qui dégorgent. Quand j'aurai fini mon pull, je vais mettre une lingette et du vinaigre pour éviter les catastrophes. Et donc, sans plus tergiverser, voici le Friday Tea. Je suis tout en bas du corps, comme vous voyez, le Friday Tea de Petite Knits, qui est normalement un modèle présenté par la designer avec des manches trois quarts. Moi, j'aimerais faire des manches longues, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez de celles-là. Mais en même temps, j'ai vraiment envie de manches longues. Donc si jamais j'en ai pas assez, je vais regarder sur le site de Laine et Tricot pour recommander un écheveau, mais si possible un écheveau de 50 grammes et pas un écheveau de 100 grammes, parce que 100 grammes, ce serait trop. Donc j'ai bien bien avancé sur ce modèle. Vous voyez, je suis en bas du corps, il me reste 1 cm de côte à faire. 1 cm de côte à faire et après je peux rabattre le corps et passer aux manches. C'est un modèle qui se fait en rond. On commence par la bande d'encolure, on ne la rajoute pas après. C'est un. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Oui, voilà. C'est un col replié, un col double. Alors, par contre, Petite Knit, c'est mon premier patron Petite Knit, j'en avais jamais fait jusque-là. Moi, ça me convient personnellement. Je le fais en anglais, mais je crois que le patron existe aussi en français. À vérifier. Bref, j'ai fait. Ce qu'elle vous fait faire, en fait, c'est que elle ne vous fait pas faire un montage provisoire. Elle vous fait faire un montage normal. Elle vous dit juste de monter souplement. Elle ne précise pas le type de montage. Ça, c'est à vous de vous débrouiller. Elle vous fait faire vos côtes, qui sont normalement des côtes 1-1 toutes simples, mais que moi j'ai fait en côte 1, que moi j'ai fait en côte 1-1 semi-torse. Un rang en vert ici pour replier. Hop, on continue. Et ensuite, on va relever les mailles de notre montage pour les tricoter avec les mailles qu'on a sur le pour commencer le pull. On a ensuite, vous allez bien le voir avec les rayures, des rangs raccourcis ici. Vous voyez bien qu'il y a une rayure là qui est plus courte. Et il y en a encore une autre. Est-ce que je peux vous montrer l'épaule là? Voilà. Là aussi, cette rayure-là, elle est plus courte. Ça, c'est des rangs raccourcis pour remonter l'encolure dos. Voilà. C'est un pull en raglan. Alors c'est un tee, comme donc un t-shirt normalement, mais moi je le veux vraiment comme un pull léger pour l'automne, avec de larges raglans ici. Le pull est tout en côte brisée. Pardon. J'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles en toussant dans le micro. J'aime beaucoup ce motif. J'aimais le côté marinière un peu texturé, donc ça casse le côté trop classique de la marinière. J'aimais l'idée d'utiliser ce coloris-là, qui n'est pas juste un bleu marine, c'est un peu plus fantaisie que juste un bleu marine, mais ça reste un pull finalement très classique, qui passe avec un jean, qui passe avec un pantalon bleu marine, avec un pantalon blanc, enfin ça passe avec plein de choses. Ça permet d'utiliser des écheveaux comme ça, qui sont un peu fantaisie comme on les aime chez les teinturières, mais en même temps, c'est pas toujours évident de porter des couleurs comme ça quand on va travailler, par exemple. Donc là, j'étais contente. Personnellement, c'est mon premier patron Petite Knit, donc je sais qu'elle en a des plus détaillés que d'autres. On n'est pas sûr du patron ultra détaillé. C'est sûr, si vous voulez être tenu par la main de A à Z, c'est pas le cas. Maintenant. Moi, ça me convient en fait, j'aime bien comme ça, parce que les patrons, on passe 3 pages à m'expliquer comment il faut que je relève mes mailles. Je vais pas vous mentir, au bout d'un moment, ça me gonfle. Donc voilà. Après, je conçois qu'il y a des gens à qui ça convient, hein. Mais moi, j'ai un côté, allez, tout de suite, faut que ça arrive maintenant, là. Donc quand on tergiverse, ça m'énerve. Donc là, bah moi, ça me convient bien, l'écriture de patron de Petite Knit, parce que c'est un peu droit au but. Effectivement, il y a des. Et encore, je trouve que. Alors peut-être que c'est ce patron-là où elle a fait un effort. Il y a plein. J'ai entendu plein de gens qui font des vidéos dire que Petite Knit, par exemple, bah sur l'alternance des rayures, par exemple, elle vous dit combien de rangs en blanc, combien de rangs en bleu. Elle vous le dit au début du patron. Il y a d'autres patrons sur lesquels elle ne répétera pas ça. Bah là, par exemple, elle le redit. Elle dit tout en continuant d'alterner les rayures tous les temps de rang.
Donc moi, je trouve que le principal y est. Ça me va bien. J'ai pas encore rentré tous mes fils, vous voyez, ça dépasse un peu de partout. Mais dans l'ensemble, j'ai bien avancé, je suis bien contente. Vous voyez que le point se lisse bien et se régularise bien au blocage, donc je suis contente. Par contre, effectivement, en les mettant côte à côte, est-ce que vous le voyez si bien que ça, vous? Ouais, si, on le voit quand même, hein, que mon blanc, là, il est bleu. Donc il faut vraiment que je fasse attention au blocage. Voilà, c'est tout. J'ai un projet couture qui ira avec ça. C'est un projet de jupe où j'ai déjà tous les tissus. Si j'y pense, je vous mets par là, ou par là, quelque part, une photo du tissu que j'ai pour ça et du patron de jupe que je compte utiliser. Je suis encore en réflexion avec moi-même sur la longueur de la jupe et la forme de la jupe, parce que, encore une fois, ma garde-robe de travail, vu que j'ai repris le travail en juin dernier, après plusieurs années en congé parental, ma garde-robe vraiment adaptée travail est finalement assez limitée, parce qu'il paraît que les leggings et les t-shirts pourris, ça ne passe pas sur son lieu de travail, bref. Bref, entre les jupes que j'aimerais et les jupes que je peux porter au travail, des fois, c'est pas tout à fait la même chose, donc. En réflexion. En tout cas, le tissu, c'est sûr, je l'ai et je pense que j'ai le bon patron, mais il faut que je détermine la longueur. Voilà. Donc ça, c'était mon deuxième projet en cours qui, ma foi, avance bien. En tout cas, je pense que je vais finir le corps ce soir et que ensuite, je me lancerai dans les manches. Alors. Je n'arrête pas de tousser. Vous avez sans doute entendu mon fils tousser. Nous nous sommes testés aujourd'hui. Ce n'est pas le Covid. Nous sommes juste tous les deux asthmatiques. Et donc, quand on attrape un rhume, très vite, on tousse, même quand on n'a pas de bronchite. Alors, ensuite, niveau tricot, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un échantillon avec ces deux laines que j'avais achetées à la mercerie Le Mouton Noir à Ville-d'Avray, mercerie que je vous recommande chaudement, petite mercerie qui est ouverte il n'y a pas très longtemps, mais la propriétaire est super sympa, je suis restée 1 heure à discuter avec elle, alors qu'elle savait très bien que j'habitais pas du tout dans le coin et que j'allais sans doute jamais revenir, enfin je veux dire, c'était vraiment de la conversation désintéressée, pas en mode je vais être sympa pour lui vendre des trucs, non, la meuf elle vit à 200 bornes, elle va jamais revenir, mais c'est pas grave. On a passé un super moment. D'ailleurs, si tu passes par là, c'était génial. Dès que je reviens dans le coin, j'ai une succession en cours dans la zone, donc je risque de revenir. Je repasse chez toi. Et je dirai oui à mon mari que j'ai trouvé des pelotes dans les arbres. Oui, parce que c'est l'excuse qu'on a trouvée ensemble pour dire, ah bah, j'étais partie faire le ménage dans l'appartement de ma grand-mère qui vient de décéder et je reviens avec. Bon. Comment ça a atterri dans mon coffre? Je comprends pas. Bref. Tout ça pour dire, j'avais acheté la Gilliatt à la mercerie du Mouton Noir. J'ai beaucoup aimé mon moment dans cette mercerie. J'étais contente de pouvoir tester de la Derrero Natura parce que ça faisait longtemps qu'elle me faisait de l'œil et que c'est toujours sympa de pouvoir acheter en papouillant en vrai quand on a l'habitude, comme moi, d'acheter beaucoup sur internet parce qu'on n'a pas de mercerie dans le coin. Donc j'avais acheté ces deux coloris, ça c'est le coloris nuit et ça c'est le coloris doré. C'était pour me faire le Pagan Sky Sweater que j'ai déjà fait à mon mari. Et donc je me suis fait un petit échantillon. Que voici. C'est beau. C'est beau, hein. Donc ça c'est le motif de jacquard du yoke. Bon, la vérité c'est que je ne vais pas pouvoir me faire mon Pagan Sky tout de suite parce que j'ai promis un pull à mon mari. Il avait acheté la laine avant que j'achète ma laine pour mon pull. Il attend son pull désespérément. Donc je lui ai promis que quand j'avais fini le Sunday tee, enfin ce Sunday sweater dans mon cas, je lui montais son pull. Alors j'ai un échantillon quelque part, mais je ne le retrouve plus, que j'ai fait pour son pull justement. C'est de la Fonty Super Tweed. Et le pull, c'est le Gib Too de Andrea Mori. Je vous mets une photo par là. C'est un pull homme assez simple. Avec une texture, enfin en fait au niveau de la forme il est très simple, c'est un pull raglan, sur le raglan il y a une torsade, torsade toute simple, je crois que c'est une torsade de deux. Et par contre il y a un motif de texture sur tout le pull qui est très sympa, qui n'est pas extrêmement défini avec cette laine-là, je l'ai vu sur mon échantillon et au blocage, mais mon mari il aime bien comme ça et c'est vrai que ça donne du caractère mais sans.
C'est pas un pull over the top, comme diraient les Anglais. Vous savez, ils ont cette expression pour dire c'est pas du Steven West, quoi. On est sur quelque chose de discret, mais c'est vraiment le style de mon mari. Il a un style assez classique. Et le vert foncé comme ça, c'est tout à fait ses couleurs. Donc c'est lui qui a choisi. La super tweed, on est sur du 50 grammes, 105 mètres, 95% laine et 5% mohair. Et traité super wash. Voilà, donc là c'est un beau coloris vert foncé, vous le voyez un peu plus foncé qu'il n'est, mais c'est assez proche. Et il y a des petits tweeds comme ça de vert plus clair, de jaune. Et voilà. Parfois s'il y a un peu du rouge bordeaux aussi, comme là. Bref, donc deux projets à venir en grosse laine. Je crois que les deux c'est de la arane. 100% laine, 250 mètres pour 100 grammes et 50 grammes 105 mètres. Bref, grosse laine, grosse aiguille, gros pull d'hiver, ça va venir. Mais d'abord, on fait celui-là, ensuite on fera celui-là. Sachant que celui-là, je crois que là, j'ai fait mon échantillon dans les aiguilles recommandées qui sont les... Je ne sais plus du tout. Mon échantillon est trop grand, il faut que je redescende de taille d'aiguille. En faisant attention, parce que je l'ai déjà fait pour mon mari, ce modèle-là, et au niveau du col, comme c'était mon tout premier jacquard, j'étais vraiment trop tendue, et du coup, le col, il se place pas très bien, il est un peu trop serré. Enfin, il faut que je le tire comme une malade au blocage dessus pour lui donner un peu de souplesse, donc il faut que j'essaie de ne pas faire ça sur le mien. Sachant que sur celui de mon mari, il faut aussi que je détricote tout le bas du corps, parce que j'étais trop haute en taille d'aiguille et du coup le pull part en A comme ça après le jacquard. Et alors Marie aime son pull dans le sens où il aime le yoke, il aime la chaleur du pull et tout, mais il n'aime pas la forme et du coup il veut pas le mettre quand il va travailler et tout, il le porte qu'à la maison. Donc dès que j'aurai la foi, je détricote tout le bas du pull et je retricote le bas du pull avec une taille d'aiguille plus petite. Donc ça c'est pour les projets habillement, voilà. Reste le projet, l'autre projet, où j'ai un peu tergiversé, mais finalement je vais le faire. J'ai hésité parce que l'an dernier, je me suis complètement plantée et en plus de toute manière, je n'aimais pas le produit fini, donc à la limite, c'est pas plus mal. Et d'ailleurs, donc je vous explique, l'an dernier, je voulais participer au MKL de Steven West, le Twist and Turns. J'ai acheté toute la laine. D'ailleurs, avec cette laine, j'ai fait ce que je porte, c'est-à-dire mon Dingley Delty de Isabelle Kremer, qui est donc un t-shirt tout simple, vous voyez, avec une technique qui fait penser à des manches montées, mais en fait, c'est pas cousu, ça se fait en une seule fois. En cost, et j'avais donc deux coloris de violet, un violet plus clair et un violet plus foncé, que j'ai, je sais pas si vous voyez, mais enfin, je les ai tricotés ensemble. Parce que c'est que ça. Bref, je les ai tricotés ensemble et ça fait ce très beau t-shirt violet chiné. La troisième couleur, c'était mon vert clair que j'ai utilisé pour le fleurine sweater. Donc je suis contente parce que j'ai utilisé ma laine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, cette année, au début, je m'étais dit non, laisse tomber, si le patron me plaît, tu l'achèteras après. Mais j'aime bien quand même l'idée du mystère, de ne pas savoir ce que je fais. Et je me dis que je n'ai pas aimé celui de l'an dernier, mais celui de l'année d'avant que je n'avais pas fait du tout, hein, mais je l'ai aimé une fois fini, et je l'aime toujours, et je me demande d'ailleurs si je vais pas le tricoter, le chalographie. Donc, bon voilà, le seul problème du chalographie, c'est qu'il faut 5 échevaux, ce qui est énorme. Et donc je me disais, oui, 5 échevaux, ça fait beaucoup, gna gna gna, c'est souvent ça avec Steven West, blablabla. Bon, cette année, c'est seulement 4 échevaux, ça fait déjà beaucoup, mais sur ces 4 échevaux, il faut un dégradé. Et j'en avais déjà deux dans mon stock de laine qui pouvaient constituer les extrémités de mon dégradé. Du coup, j'ai acheté le patron. Et j'avais donc celui-ci, que je vous ai montré tout à l'heure, que j'avais donc acheté et avec lequel j'ai fait mon posé cardigan. Et j'avais celui-ci, de la bien-aimée. Alors ça, c'est du twist nouveau, donc c'est une laine plus retordue, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris Lannister. Et j'avais acheté ça pour faire mon Cargill sweater de Rebecca Chloe, je crois que c'est ça son nom de famille. Donc j'avais ces deux-là. Et je me disais, un rose, un rouge, j'ai plus qu'à trouver deux couleurs entre les deux. C'est pas mal, non? Forme géométrique et dégradée, sur le principe, ça me plaît. J'ai trouvé une des couleurs qui manque à mon dégradé. Et je l'ai trouvée chez une louve dans les bois. C'est la première fois que je commande chez elle, c'est pareil. C'est une teinturière chez qui je lorgnais depuis très longtemps, mais je n'avais jamais acheté.
Et je me suis dit que bah, c'était la bonne occasion. En plus, là, la couleur correspondait parfaitement à ce que demandait Steven West, parce que celle-ci, par exemple, on n'est pas totalement dans le descriptif. Normalement, il disait pas trop de speckle, pas trop de nuances. Bon, celle-ci, elle est quand même pas mal nuancée. Vous voyez, entre ce rose-là et ce rose-là, il y a pas mal de différences. Et puis, il y a des speckles et tout ça. Mais c'est pas grave, ça ira, ça reste quand même du rose, ça pourrait être bien plus chamarré que ça. Et donc, chez Une Louve dans les Bois, j'ai trouvé en Louve fine soc, donc 75% bébé mérino et 25% nylon. J'ai fait exprès de prendre une base à chaussettes hein, pour la facilité d'entretien. Parce que par exemple, celle-ci, elle est non super wash, sans nylon, donc un peu théoriquement un peu plus fragile. Mais bref. Et donc, sur la base Louve fine soc, j'ai pris le coloris Tea Time. Hop. Qui est décrit par la teinturière elle-même comme un vieux rose foncé. Et moi, je trouve que c'est vraiment entre le rose et le rouge, parce que si je vous fais ça, franchement, c'est pas trop beau. Moi, je suis fan, j'adore, je suis tombée amoureuse de ça. Le problème, c'est qu'il me manque une laine, en fait. Et je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il me manque une nuance ici, en fait, au niveau de... Celles-ci sont assez proches et se marient bien. Je pense qu'il faudrait une nuance entre ces deux-là. Mais je ne sais pas laquelle. Donc j'ai passé un plus ou moins un appel sur Instagram aujourd'hui. Bon, j'ai pas un compte de fou avec 12 millions de followers, donc j'ai pas trop de réponses pour le moment. Pourtant, je crois que c'est Ingrid, la designer de Une Louve dans les Bois, et Aimée de la Bien-Aimée, ont toutes les deux partagé ma publication. Donc elles ont des gros comptes avec plein de monde qui les suit. Elles ont partagé en story, mais j'ai pas trop de suggestions pour le moment. Donc n'hésitez pas, ouais, quand je le vois comme ça, c'est encore à la caméra, c'est encore plus flagrant qu'en vrai. Il faudrait vraiment une couleur entre les deux là pour finir mon fade, mon dégradé de couleur. Donc voilà le gros projet qui va monter sur mes aiguilles bientôt. J'aimerais, si possible, une designer française. J'aimerais que ce ne soit ni Laine de Mout, ni Une Louve dans les Bois, ni La Bien-Aimée. J'aimerais bien en fait avoir quatre teinturières différentes. Sur mes aiguilles. Du coup, je me suis dit que j'allais jeter un œil chez Yarneline. Je ne sais pas si elle a la laine disponible ou pas. Je sais qu'elle fait des couleurs très claires, donc ce sera peut-être pas là, mais peut-être qu'elle aura un rose très pâle qui pourra aller vraiment à l'extrémité, mais ça collerait pas vraiment. Et sinon, bah, je ne sais pas. Je sais pas. Je vais aller regarder les noms que je connais comme ça, chez qui j'ai jamais acheté. J'ai voulu regarder J'ai voulu regarder The Woolly Skin, mais elle est en train de préparer une mise à jour et donc le site est fermé. Enfin bon, bref, j'ai pas trouvé mon bonheur jusqu'à maintenant. Donc j'attends vos suggestions. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et à me dire si jamais vous avez des idées pour compléter ce fade. Voilà, on a fait le tour du tricot. Donc bah voilà, si jamais vous voulez quitter le podcast ici parce que le reste ne vous intéresse pas, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Je vais peut-être vous mettre des podcasts un peu plus régulièrement parce qu'il faut savoir que l'une des choses qui me bloquait, c'est que j'avais une connexion pourrie de chez pourrie jusque-là. Mais quand je vous dis pourrie, c'est que pour mettre une vidéo d'une heure en ligne, j'avais quasiment 24 heures de mise en ligne en fait. Voilà. Bonne nouvelle, on a passé la fibre samedi. Je vous jure que ça change la vie. Donc normalement, cette vidéo va aller beaucoup plus vite à mettre en ligne. Donc il est possible aussi que j'ai un peu plus souvent le courage de vous tourner des podcasts parce que souvent je vous avoue je me dis ah ouais mais il faut que je filme, il faut que je monte et après il faut que j'ai pendant 24 heures la possibilité de mettre en ligne, sachant que souvent ce qui me bloquait c'est que mon mari est beaucoup en télétravail, que dans son travail il fait des vidéos que lui doit pouvoir envoyer et pour le coup lui c'est une nécessité professionnelle donc il passait avant. Donc en fait il fallait que je m'assure avec lui que la connexion, qu'il n'allait pas avoir besoin de mettre des vidéos en ligne pendant 24 heures. Ce qui est difficile hein, quand on bosse dans la com. Et donc, bon, bref, c'était compliqué. Là, ça devrait aller beaucoup mieux. Donc, voilà. Si jamais vous avez fini avec moi parce que la partie couture ne vous intéresse pas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Et sinon, on va passer à la partie couture. Je vous ai laissé la dernière fois en vous disant que j'avais un très beau tissu de designer de la compagnie La Maison Naïve. Et que je voulais faire une robe Alix avec. Alors, le très beau tissu, il est juste derrière moi, dans une de mes cousettes. Je vous la présente juste après. C'est pas du tout la robe Alix. La robe Alix, elle est ici. Alors, ni l'une ni l'autre ne sont repassées. Les deux sont propres. Mais ni l'une ni l'autre ne sont repassées parce que je les ai lavées, mais je ne les ai pas repassées. Voilà. La robe Alix est là.
Alors, comme vous le voyez, c'est une robe longue, une robe portefeuille avec un vrai portefeuille. Alors ici, c'est une chute de tissu que j'avais dans mon stock, c'est un coton que j'ai utilisé parce que j'avais plus assez de mon tissu original pour faire toute la robe. C'est une véritable robe portefeuille. Alors, est-ce que vous allez le voir? Voilà, ici il y a un bouton. Et si j'ouvre tous les boutons, parce que voilà, vous avez un côté là avec une patte de boutonnage, vous voyez les boutons ici. Un côté ici sur le devant qui est fermé par un autre bouton intérieur. Et tout le pan de devant qu'on rabat pour fermer la robe et la jupe. Et du coup, ça fait une jupe boutonnée mais fendue. Je vous remets la photo de la robe Alix ici. Et longue. Et on est sur une forme jupe cercle ou demi-cercle. Je pense que c'est plutôt demi-cercle. Mais bref, on est sur une jupe qui demande beaucoup d'ampleur de tissu. Et j'avais pas fait attention quand j'ai acheté la robe Alix, qui demandait une lace, donc une largeur de tissu de 1,50 m et non pas 1,40 m. D'accord? Le tissu là, c'est 1,35 m ou 40 m de lace. Donc en fait, quand j'ai voulu découper mon patron, et heureusement que j'ai tout mis sur le tissu avant de découper, parce que parfois je ne fais pas ça, je découpe certaines pièces au fur et à mesure et je me rends compte à la fin que j'ai pas assez de tissu. Là, j'ai tout mis dessus et je me suis dit, ah bah non, ça passe pas, le tissu il est pas assez large et j'en ai pas commandé assez pour compenser le manque de largeur de tissu. Donc impossible de faire la robe Alix dans ce tissu-là, ça ne rentrait pas. Tant pis, j'ai utilisé ce coupon de viscose que personnellement je trouve magnifique, que j'ai acheté chez les coupons de Saint-Pierre pour 20 ou 25 euros, je ne sais plus. Alors vous voyez là, ici, là, qu'il est un petit peu transparent contre-jour, mais franchement, au porté, ça pose pas de problème, surtout que tout le bustier de la robe est doublé en fait. Hein. Donc c'est pas du tout transparent sur le haut et sur le bas, c'est pas choquant. On a des jolis petits volants ici doublés. Et en fait, comment j'ai réussi à faire passer cette robe dans un coupon de 3 mètres alors que normalement il en fallait plus que ça? Eh bien, j'ai triché et heureusement ça se voit pas en fait sur ce motif, mais j'ai coupé la jupe, j'ai tourné mon tissu à 90 degrés en fait. Au lieu de couper dans le droit fil, j'ai coupé dans la chaîne ou la trame, enfin bref. Quand vous avez un tissu chaîne et trame, normalement vous coupez en suivant la chaîne, donc le droit fil, et moi j'ai coupé dans la trame. J'ai pas coupé en diagonale, c'est là que ça fout le bordel, parce que si vous faites ça, du coup votre tissu il s'étend, il se déforme. Là, ce n'est pas le cas, j'ai fait attention. Mais du coup, j'ai cette très belle robe dont je vous dis ça à chaque fois, je le fais jamais, mais je vais le dire quand même. J'essaierai de vous mettre des photos portées pour que vous vous rendiez compte en fait, parce que là, déjà, je n'ai pas assez de recul, même si je la mettais pour vous montrer. Et puis, bon, j'aurais pas la bonne lumière et tout, mais très belle robe. Le seul problème de cette robe, c'est que de une, la fente sur la jambe remonte très haut, et de deux, le décolleté est vraiment décolleté. Donc pour la porter au travail, je mets un débardeur blanc en dessous, ce qui casse le décolleté, et j'ai rajouté un bouton sur la fente pour la fermer un peu plus en fait, parce que voilà. J'ai trouvé chez Rascol ces très beaux boutons noirs avec c'est de la nacre en fait, mais la nacre est peinte seulement au milieu, donc on retrouve le contour en nacre, que j'aime beaucoup. Et voilà, je suis très contente de ce patron. C'est un patron de Chacou. Ma foi, c'est bien expliqué. Le livret est joli. J'en suis contente. Reste ma deuxième cousette du jour que je vous présente tout de suite. Je me lève pour ça. Donc, cette robe dans le fameux tissu Maison Naïve, qui, je ne vais pas vous mentir, m'a coûté un rein. Hein. Maison Naïve, c'est vraiment pas donné. Je crois qu'on était pas loin des 30 euros du mètre. 25 ou 30 euros du mètre. Du coup, je suis partie sur un patron beaucoup plus simple et beaucoup moins gourmand en termes de tissu. C'est la robe Alésia de chez Cozy Little World. Donc, c'est une robe avec un bustier assez court, en découpe princesse, que vous devez voir ici grâce au motif du tissu, avec des pinces. C'est pas vraiment des pinces, si c'est des pinces. Des pinces dans le dos que vous voyez là aussi grâce au tissu. Et la jupe, c'est très simple, c'est un rectangle froncé. Donc pour le coup, ça mange beaucoup moins de tissu. Moi, je l'ai rallongé parce que normalement, on propose une version courte, c'est-à-dire genou, et une version midi, à peu près mi-mollet. Moi, je l'ai encore rallongé pour en faire une robe qui me tombe aux chevilles.
une robe maxi. Et cette robe Alésia, elle est fermée sur le côté, ici, par une patte de boutonnage, vous voyez? Alors j'ai des fils qui dépassent un peu partout de mes boutonnières, il va falloir que je nettoie ça. Hop. Et donc j'ai posé de très beaux boutons en corozzo, vous savez, c'est fait avec de la palme, c'est du plastique de palme apparemment. Et ça, c'est le coloris terracotta. Et c'était pour assortir aux rayures du tissu, puisque les boutons sont produits également par Maison Naïve. Voilà. Donc, je suis très contente de cette robe. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est hyper confortable. Elle se porte bien. Dans la lignée, si on fait comme Christelle de Démaillé Moi et qu'on pense assortiment, tricot, couture, ce que j'adorerais faire avec, qui irait vraiment super bien, je suis sûre que. Et en plus, ça irait avec d'autres choses de ma garde-robe. C'est le gilet. Je ne me rappelle plus le nom de ce gilet. Je l'ai vu sur l'atelier teinture. La teinturière a fait un partenariat avec une designer. C'est un joli gilet. Je crois qu'il est tout en maille torse, mais je ne suis pas certaine. Petit gilet crop, manche courte, assez simple. En tout cas, il y a une texture sur le poing, il y a quelque chose. Et donc, c'est fait dans sa base en laine et soie. C'est magnifique. Et en coloris vert impérial. Ce serait magnifique. Bon, le truc, c'est qu'il y en a pour 100 € de laine pour faire ce petit gilet crop.